Bonjour YouTube, nous sommes dans cette vidéo de Jack 3. Aujourd'hui, nous allons partir en direction de du point. Alors, j'ai toujours pas vu ce que c'était les petites lumières là-bas, mais j'imagine qu'on verra ça plus tard. Alors, j'ai évité de tuer le flûte-flûte, hein, parce que je ne suis pas un meurtrier psychopathe, j'ai envie de dire. Damus a du boulot pour nous, mais je fais pas la nounou. Alors, hors de mon chemin! Jack a pas peur de toi! Hein, Jack? Si vous saviez ce qui se passe là-dehors, vous auriez peur, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, votre grandeur. Je donne juste à Jack et à cette bestiole quelques petits conseils. J'ai entendu dire que tu n'étais pas très prudent. Ton père ne t'a pas appris à choisir tes combats judicieusement. J'ai pas connu mon père. Ce que je veux dire, c'est que tu peux attaquer ton ennemi de front. Ou alors, tu peux attendre de connaître son point faible. La patience est la meilleure arme du guerrier, tu comprends? Jack, je veux que toi et Cleaver alliez dans le désert et regroupiez des lézardosaures dans un véhicule. Nous devons parer à toute éventualité, et aucune ressource n'est négligeable. Pas de problème, j'adore les animaux. On se retrouve là-bas, collègue. Oh, et maintenant on a bien le droit à ce joujou. Ah oui, parce que l'autre, on l'a utilisé deux fois, c'est bon, on ne le reprendra plus. Alors, ça a l'air d'être dans une sorte d'arène, j'ai l'impression. Alors, il a l'air beaucoup plus maniable, mais c'est pas encore ça. Hein. Au moins, il bouge un peu plus. Ce qui risque quand même de me saouler à certains moments, mais bon. Alors, je crois que là-bas, c'est là où il y a une rivière, par contre, je vais... éviter de faire des... Purée, mais comme il dérape le truc, c'est dingue. Tout. Ça passe. Ça passe, nickel, j'ai envie de dire. Ah là, nice. Ça... Excusez-moi si je galère un petit peu vraiment à jouer. Pour le coup, c'est vraiment... difficilement mani... Oh, oh. On est déjà allé là. On dirait une vieille ville qui a été abandonnée. Mais genre une ville qui a été... Ouais, c'est... On dirait une ancienne ville, mais qui a été ravagée. Approche-toi d'un lézard aux ans. D'accord. D'accord. Oh là J'étais pas prêt à ce que Daxter fonce dessus, en fait. J'étais pas prêt. D'accord, ça se joue exactement comme un lézardosaure, sauf qu'il est beaucoup plus rapide. Donc ce n'est pas un flûte-flûte alors. Je suis triste. Je l'appellerai toujours le flûte-flûte. Pour moi, ça sera dans mon cœur à jamais le flûte-flûte. Ok. Mais non. Ok. Alors, je sais pas d'où il est sorti celui-là, mais c'est pas grave. D'accord. On va essayer de faire en sorte de faire les choses bien et correctement. Nickel. Alors là, par contre, je suis désolé, mais là, pour le coup... J'espère qu'ils me remettent pas à zéro. Non, c'est bon. Par contre, il est là, mais il est pas là. Hein. Je sais même pas si on peut prendre l'autre véhicule. Verrouillé. Puce de dune, d'accord. Je n'ai pas le droit de le prendre. Je suis triste. Parce qu'il a l'air d'être... Mais pourquoi tu fais ça? Non... C'est dingue. Mais je sais pas pourquoi il fonce dans le mur à chaque fois. Mais pourquoi il saute. Je l'ai renversé. On va pouvoir y arriver bientôt, j'imagine. Alors. J'imagine que ça doit être par là. Oula, par contre, il va beaucoup trop vite. Oui, oui, ça j'avais compris, Daxter, mais. Fou.
Alors ça du tout, je l'ai pas fait, hein, donc j'ai aucun souvenir d'avoir fait. J'ai le souvenir d'avoir fait la première course, mais ça je ne l'ai pas fait. Donc ça doit être... Purée, mais sérieusement? Du coup, ben, c'est de la totale découverte en fait au final, j'imagine. J'espère qu'il va pas foncer dans le mur. D'accord, moi ils me suivent. Ils me suivent, ils me suivent. Vas-y! Zigbee. Je ne voyais pas grand chose. C'est bon. Parfait. Je dois l'admettre. T'as du talent, gamin. Prends un autre de mes bolides. Tu le mérites. Un peu, ouais. Et moi, je peux me brosser, c'est ça? Ok, j'ai bien compris. D'accord. Bon bah on va pouvoir prendre ce petit truc. Alors qu'est-ce qu'il fait? Appuie sur... Oh. Bon par contre pour les tirs c'est pas ça hein, mais Oh. Alors il y a un truc à l'opposé. Du coup bah moi vu que je suis quelqu'un de très curieux, bah eh bien je vais y aller. Alors j'imagine que je peux pas y aller sans en fait. C'est peut-être pour ça qu'on me l'a donné. Compte dans la logique des choses, ben de ce que Jack a dit tout à l'heure à propos de son père, ben, c'est logique, j'ai envie de dire. Vu qu'on, en fait, on l'avait vu enfant et il avait l'air abandonné, du coup, il a pas connu sa mère non plus, j'imagine. Est-ce que je peux tirer en même temps? D'accord. Par contre, ça me fait des dégâts, j'ai l'impression. Voilà. Ça a l'air très difficilement maniable cet endroit. Enfin, les véhicules en général, mais celui-là, il a l'air de tourner un peu mieux. Bon, il a un tir moins bien, mais il. Je vais arrêter de bégayer un jour. Oula. Calme-toi. Merci, c'est bon. Ouh, par contre, des orbes, j'en vois plein ici. Est-ce que je peux grimper là-haut? Ah oui, parce que je crache pas sur des orbes, voyons. Et voilà. Alors, je sais pas absolument pas si c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais je l'ai fait comme ça. Non, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Autant le faire maintenant. Oh. J'imagine qu'il faut monter tout en haut. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est un œil qui ne veut pas me laisser passer. Est-ce qu'il faut que je monte tout ça? J'imagine que oui. Oh, c'est de la plateforme comme j'aime bien. Par contre, il y a quoi à gauche? Il n'y a rien. D'accord, on va passer à droite. Alors, j'imagine que, bien entendu, dans la logique et que le... D'accord, en fait, je m'attendais à ce que... Ok. Alors, je m'attendais à ce qu'en fait, la plateforme tombe... Oula, par contre, je suis désolé, mais on voyait rien du tout, pour le coup. J'en suis vraiment désolé, hein. C'est pas ma faute. Je sais pas si c'est l'AVR Media ou si c'est... je crois que ça doit être l'AVR Media ou soit c'est ma télé, hein, mais... dans la logique, ça doit être l'AVR Media qui fait ça, hein, parce que, pour le coup, l'AVR Media fait qu'on voit rien dans les zones sombres. Hein. On avait déjà le même problème... Et alors, vous ne voyez rien, mais vous inquiétez pas, moi non plus, je vois que dalle. Hein. Donc, bon. Si vous voyez rien dans les zones sombres et que ça devient flou, je vois exactement la même chose que vous voyez. Alors ça va se casser la figure, bien entendu. Parce que, visuellement, ce que vous voyez, je vois exactement la même chose. Donc, bon. En moins flou, peut-être. Ou soit si, non, c'est tout aussi flou. Mais c'est pas grave. Par contre, je veux récupérer les... Non, reviens! Merci. Qu'est-ce qui... D'accord, la caméra fait n'importe quoi, c'était bizarre. Alors, bah où est-ce qu'on doit aller? On doit aller par là, j'imagine. C'est un endroit assez calme, mais j'aime bien ce genre d'endroit.
Par où il faut aller? J'imagine que ça doit être par là. Par contre, si on perd et qu'on tombe, ça revient ou on meurt? J'imagine que vu la taille, on doit mourir en fait. Mais bon, après je vois mal comment on peut tomber sur un truc aussi simple en ayant fait les trois autres Jack et Dexter. Et après c'est à ce moment là que je tombe. Bon après je suis déjà tombé avant, mais c'est parce que je voyais rien en fait. Ouh. Ouh, ça a l'air intéressant ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pas mal. Un deltaplane. Sim dit qu'ils ont perdu une expédition de moines sur le volcan. Je parie qu'ils ont construit ces planeurs pour atteindre le sommet. Ouais, perdu, c'est ce qu'ils disent. S'ils ont disparu, tu crois pas qu'il y a une raison? Allô? Ouais, mais tu m'as bien compris. Tout ce qu'on a à faire, c'est toucher ces anneaux d'accélération et c'est bon. Oh non! Tu vois des plumes là? C'est des poils, mon gars! Pas de plumes, pas de peloutre volante! Si tu crois que je vais monter sur un de ces trucs de moine, tu peux toujours courir! Laisse mes tons! Oublie! Pas moyen! Non! Dans tes rêves! Nada! Jamais! Ça change pas d'habitude, j'ai envie de dire. Oula, 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 oula. Alors, ça, on me l'avait spoil. C'était. Oula. Ah, d'accord, fallait tirer dessus. Oui, mais je savais pas aussi. Je savais pas qu'il fallait tirer dessus. J'étais perturbé pour le coup. J'étais en dehors de ma zone de confort. Alors, du coup. Cette même personne que j'avais parlé qui, dans des précédentes vidéos, du coup, qui avait... Oula, par contre, c'est super difficile de manier ce truc. J'imagine qu'ils avaient pas de fusil, en fait, alors du coup, ils se sont suicidés dès le début. Ça se trouve, les moines, j'ai envie de dire, je suppose. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, là, 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 là. Oula, ça a l'air super grand comme endroit, par contre. Alors, c'est difficile de manier, mais c'est sympa, je trouve. C'est pas si mal. J'aime bien. J'aime bien utiliser des trucs de moine. Ok. Par contre, c'est dingue comme t'as des fois des moments de fluidité, genre là, actuellement. Alors, je sais pas si ça... Alors, oula, heureusement qu'on a Daxter, hein, parce que sinon, ça serait pas passé. De toute façon, c'est lui qui tire, donc bon, j'ai envie de dire, sans Daxter, on pourrait pas faire certaines choses. Parce qu'on dit souvent, il y en a souvent qui disent que Daxter sert à rien, mais. Mais Daxter, il sert à beaucoup de choses en fait. Déjà, il sert à énormément de choses scénaristiquement pour les développeurs. Daxter aide énormément à rendre le jeu, comme j'ai dit précédemment, moins chiant en fait, dans les scénarios. C'est pas moi qui le dis, c'est les développeurs, hein, donc bon. Aïe 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 aïe. J'espère que je recommence pas tout si je meurs. Parce que c'est long. Ah là 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 là, ah là 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 là. Ah, j'ai eu de la chance. Heureusement que le truc il est grand quoi. Ça paraît super dur. Et c'est super dur. Après c'est peut-être parce que j'ai pas joué à un Jack et Dexter depuis plus d'un an en fait. Enfin depuis un an tout court. Mais c'est une possibilité aussi. Voilà, d'accord, je n'ai pas touché, mais ça l'a quand même compté, c'est pas grave. Aïe. Ah, c'est difficile. Aïe. Je suis en train de stresser, parce que j'aimerais... C'est long, purée. C'est long. On peut pas faire marche arrière. Allons jeter un œil. Je te suis, partenaire. Mais de loin. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'il y a par là. Je ne sais pas ce qu'il y a par là non plus. Alors là, il y a rien. Il y a un petit truc. D'accord. Ma foi, pourquoi pas. Et il y a un portail. Portail que nous ne pouvons pas passer parce qu'ils vont encore nous dire « Non, vous n'avez pas le droit de faire... » Aïe, d'accord, ça fait mal. Faut pas le toucher. Bon. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus et qu'on continue dans la prochaine vidéo. Alors, sur ce, moi, je vous dis bye tout le monde et portez-vous bien, mes petits humains.